L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, mes chers amis, se passe en Australie. Elle raconte les nouvelles aventures de Bernard et Bianca, les deux souriceaux détectives rendus célèbres par Walt Disney. L'Australie, vous le savez sans doute, est le plus petit des cinq continents. Il se situe loin de l'Europe et de la France, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Il y a là-bas de grandes étendues sauvages et magnifiques, des torrents impétueux et de belles forêts. Mais l'Australie, pour beaucoup d'entre nous, est le pays où vivent ces animaux bizarres et amusants, sauteurs et coureurs d'espace que l'on appelle des kangourous. Ils ont une grande poche taillée dans la fourrure de leur ventre. Elle leur sert à porter leur bébé après leur naissance, et ils sont très drôles. Nous voici donc en Australie. Ce jour-là, le jeune Cody, un garçon d'une dizaine d'années, quitte sa maison pour aller faire une promenade dans la campagne qui l'entoure. En traversant le petit bois qui longe la plaine, il rencontre un écureuil dont il est l'ami. Cody est d'ailleurs l'ami de tous les animaux. Il parle avec eux et il les protège autant qu'il le peut de tous les dangers qui les menacent. Ce jour-là, Falou l'écureuil lui apprend une terrible nouvelle. Marahuté, la belle aigle royale aux plumes d'or, vient d'être prise au piège par Maclish, un méchant braconnier qui fait commerce de tous les animaux. Où me dis-tu qu'elle est prisonnière? Là-haut, sur la falaise? Je vais essayer de la délivrer. Sans hésiter, le jeune Cody, qui est robuste et agile, entreprend courageusement l'escalade de la haute falaise. Il se sert de toutes les saillies de la roche pour s'élever mètre après mètre jusqu'au sommet. L'exercice est des plus périlleux. Mais Cody est courageux et rompu à toutes les pratiques du sport. Il ne veut pas regarder le vide immense qui est sous lui. Encore un effort. Ça y est, Cody a atteint la plateforme où un spectacle désolant l'attend. Prise dans un piège savant de cordes emmêlées, Marahuté, la belle aigle royale, se débat en vain. Oui, oui, mon bel oiseau. Prends patience, Cody va te délivrer. Armé de son couteau de poche, Cody tranche l'un après l'autre les liens du piège. L'oiseau libéré étend ses ailes d'or pour retrouver sa force. Et au moment où le jeune garçon, dans un geste d'affection, entoure de ses bras le col de l'oiseau, celui-ci prend son vol au-dessus de l'abîme, emportant l'enfant dans son élan. Cody, d'abord surpris, est tout de suite fou de bonheur. Oh, Marahuté, c'est merveilleux! Quelle glissade! Encore! Encore! Encore plus haut! À travers les nuages nacrés, le ciel comblé d'azur, Cody, installé sur le dos large du bel oiseau et solidement cramponné à son cou, découvre le monde. Marahuté dépose bientôt son gentil passager sur l'herbe de la vallée. Au revoir, Marahuté, et merci pour ce beau voyage! Sois prudent dorénavant! Cody, qui a repris sa marche à travers la forêt, aperçoit soudain une malheureuse petite souris suspendue à un fil sous une branche d'arbre. Qui t'a fait ça, ma mignonne? Mais oui, je vais te délivrer. Cody ne comprend pas que la petite souris a été placée là comme un appât. Au moment où il avance pour la saisir, un gouffre s'ouvre sous ses pieds et Cody se retrouve d'un coup au fond d'une fosse profonde. Non loin de là, à l'affût dans son repère, Maclish le braconnier perçoit le signal lui indiquant que le piège a fonctionné. S'adressant à son énorme lézard domestique Johanna, bête monstrueuse et cruelle et dont la taille est celle d'un crocodile, il crie tout joyeux. Ça y est, Johanna, j'en ai pris un. Allons voir ce que c'est aujourd'hui. Un cochon sauvage, un gros chat des bois. S'approchant de la fosse, il découvre Cody qui hurle de rage. Oh non, c'est un petit garçon. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, garde-moi? Sortez-moi d'ici! Vous êtes ce sale braconnier qui tend des pièges à tous les animaux. Je vais me plaindre aux Rangers. Ah non! Ah non, non! Non, non! Oh, Rangers!
Je t'en supplie. C'est pas un piège. C'est cette idiote de Johanna qui creuse des trous partout. Vous mentez, c'est un piège. Il y en a dans toute la forêt. Après que MacLeish eut tiré Cody de la fosse, il découvrit glisser dans la bretelle du gamin une belle plume dorée que Marahutté lui avait donnée en souvenir de leur merveilleuse rencontre. Tiens, tiens. D'où te vient cette belle plume, cher petit? Ça ne vous regarde pas, c'est un secret. Oh, mais non, c'est pas un secret. Elle vient de la belle aigle royale dont j'ai déjà eu le mal. Alors, tu vas parler? Où se cache-t-elle? MacLeish menaçait Cody de son large coutelas. Mais l'enfant courageux tenait tête au braconnier. C'est alors que ce dernier décida de le ligoter et de l'enfermer dans son repaire où d'autres animaux capturés étaient prisonniers. Quand tu auras croupi ici toute la nuit, tu finiras bien par parler, sale gamin! Cody, qui ne voulait pas le montrer, avait en réalité très peur. Ses compagnons animaux, prisonniers comme lui dirent qu'ils n'avaient aucun espoir. Le cruel MacLeish les livrerait à des trafiquants de peaux et de fourrures, et leurs jours étaient comptés. Cody ne savait pas pourtant que la petite souris qui avait servi d'appât et qui l'avait délivré avait alerté tous ses compagnons pour lancer une alerte rouge à SOS Secours Souris à New York. Toutes les souris du monde savaient que cette organisation puissante réussissait à agir partout où il fallait porter secours. Quand l'information parvint à New York, le vieux président souris convoqua en toute hâte tous les délégués dans les sous-sols du gratte-ciel où se tenaient les réunions. C'est très grave. Soyez attentifs. On vient de nous signaler qu'un petit garçon nommé Cody a été enlevé par un sinistre braconnier. Sa vie est en danger. Enlevé ? Où ça ? En Australie. Quoi ? Que dites-vous ? En Australie ? Mais oui, en Australie, à l'autre bout du monde. C'est une mission dangereuse et difficile. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour désigner nos deux meilleurs compagnons, Bernard et Bianca. Ils ont fait leurs preuves dans d'autres missions. Oui. Mais je ne les vois pas ici. Il faut les trouver, sans retard, il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes en alerte rouge. Bernard et Bianca dînaient ce soir-là en tête à tête dans l'un des plus célèbres sous-restaurants des caves de New York. Bianca, éblouissante de grâce et d'élégance, levait un verre de champagne à la santé de son compagnon. Elle dit en rougissant un peu et en battant des cils. À nous, mon cher Bernard, au merveilleux tandem que nous faisons. Oui, vous avez raison, mademoiselle Bianca, c'est pourquoi je... Bernard se contorsionnait sur sa chaise. Il semblait mal à l'aise. En fait, il manipulait au fond de sa poche une jolie bague de fiançailles qu'il aurait voulu offrir à Bianca, mais... il ne savait comment s'y prendre tant il était intimidé. Il demanda à Bianca l'autorisation de quitter la table un moment. Il souhaitait reprendre ses esprits. C'est à cet instant que le maître d'hôtel, François, le criquet, apporta sur un plateau un message urgent. Bianca déplia la dépêche et poussa un petit cri de surprise. Oh, François, nous sommes prévenus que le conseil réuni en urgence vient de nous désigner pour une mission en Australie. Où est Bernard? Allez le prévenir. François retrouva Bernard occupé devant un miroir, à répéter comme pour se donner du courage. Mademoiselle Bianca, voulez-vous m'épouser? C'est trop sexe. Mademoiselle Bianca, je serais très heureux si vous acceptiez de bien vouloir... c'est trop long, ça. François essaya en vain de l'interrompre. Bernard ne l'écoutait pas. Il retourna vers Bianca, qui le reçut fiévreusement. Avez-vous vu François? Oui, mais... Oh, mais je sais très bien ce que vous allez dire.
Ah bien, il vous a parlé? Je pense que ça va être formidable. Je suis déjà toute excitée à cette idée. Oh, merci, mademoiselle Bianca. Quand voulez-vous que cela se fasse? Je pensais qu'en avril, ce serait... En avril? Oh, mais non, Bernard. Ce serait trop tard. Il faut régler tout cela dès ce soir. Mais il faut se préparer. Vous aurez besoin de quelques toilettes. Et puis, le temps de prévenir nos amis. Oh, pour les toilettes, vous savez, je me contenterai de shorts et de salopettes. N'oubliez pas que c'est en Australie, dans la brousse. En Australie? De quoi parlez-vous? Mais Bernard, je parle de ce petit garçon qui doit être sauvé de toute urgence. Et nous partons pour l'Australie sans tarder. Pauvre Bernard. Pendant toute cette scène, il n'avait pensé qu'à son mariage. Il n'avait pas compris que Bianca, elle, ne parlait que de cette mission périlleuse qu'il découvrait à l'instant. Après avoir jeté hâtivement quelques affaires indispensables dans deux petites valises, Bernard et Bianca prirent le chemin de l'aéroport d'Albatros Airlines, situé sur le toit d'un gratte-ciel. La bise soufflait très fort. La neige, chassée par le vent, fouettait leur visage. Oh, Bernard, que je suis heureuse! Nous allons retrouver notre vieil ami Orville! Nous avons vécu tant d'aventures ensemble! J'espère qu'il est toujours aussi vaillant et courageux! Devant le hangar d'Albatros Airlines, ils découvrirent une pancarte. Changement de direction pour tout renseignement demandé Wilbur. Dans le hangar où ils pénétrèrent aussitôt, ils découvrirent un gros albatros qui se trémoussait au son d'une musique de jazz. Leur arrivée passa inaperçue tant il était pris par le rythme. Oh, chaud, Robert! Ça balance! Bernard, fais quelque chose! Il ne nous entend pas! Il suffit de couper le son! Veuillez excuser cette interruption, monsieur, mais nous sommes membres de SOS Secours. Mon nom est Bianca, et voici... Bianca? Mademoiselle Bianca, la grande détective? Oh, quelle chance de vous rencontrer. Mon frère Orville m'a tellement parlé de vous. C'est un honneur d'être à votre service. Que vous faut-il? Nous devons partir sans délai. Sans délai? Et pour où? Pour l'Australie. Pour l'Australie? Par cette tempête? Mais la vie d'un jeune garçon en dépend. Il a été enlevé par un sinistre braconnier et il est menacé de mort. Oh, mais c'est horrible. Tempête ou pas, Wilbur est à votre service. Nous partons sans retard. Grimpez à bord, mes jolis, et attachez vos ceintures très fort. Je vous le prédis, ça va chahuter. Aussitôt que Bernard et Bianca eurent gagné la boîte de sardines fixée sur le dos de Wilbur et qu'ils eurent déroulé le couvercle pour mieux se protéger, le décollage eut lieu. Mais le toit était verglacé et le pauvre Wilbur patinait comme une savonnette sur un lavabo mouillé. 10 fois il reprit son élan et 10 fois il se retrouva aplati au milieu de la piste. Il soufflait comme un phoque. Enfin, tant bien que mal, il atteignit le bord du toit et avant de s'élever dans la tempête, plongea un long moment entre les murs du gratte-ciel. C'était vertigineux. Bernard et Bianca crurent leur fin venue. Enfin, dans un effort désespéré, il parvint à se redresser et s'éleva bientôt dans le ciel blanc où tourbillonnaient les flocons épais d'une neige glaciale. Ah ! Ça y est, c'est gagné ! Mais bon sang, j'ai les pattes gelées. Wilbur n'alla pas très loin. Il se posa bientôt sur la piste d'un grand aéroport et se glissa subrepticement dans les soutes à bagages d'un long courrier qui partait vers les régions de l'océan Indien. Le voyage se passa ainsi sans incident. À l'escale de Jakarta, Wilbur décida de voler de ses propres ailes jusqu'à la destination prévue, l'Australie. Mais je croyais qu'on avait pris un vol direct, commandant Wilbur. Vol direct. C'est vite dit, ça. Je suis pas Charles Lindbergh. Wilbur reprit son vol en direction de l'Australie pour se poser sur le petit aérodrome de Mugwump. Il faisait un temps radieux et le soleil était encore haut dans le ciel quand il entra en relation avec la tour de contrôle. Tour de contrôle Mugwump, ici Albatros 1-3, demandons autorisation d'atterrir. Jake, le contrôleur de la tour, consulta sa liste. Toutes sortes de volatiles de petite taille y figuraient. Mais l'albatros, considéré comme un gros porteur, en était exclu.
Voyons, voyons. Albatros. Albatros. C'est impossible. La piste est trop courte et trop étroite. Il court à la catastrophe. Allô? Allô, Albatros 1-3. Autorisation refusée. Piste ne convient pas. Cherchez un autre point d'arrêt. Danger d'atterrir. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que la piste est trop courte, qu'il faut chercher ailleurs, que c'est très dangereux. On va pas se laisser impressionner par un petit contrôleur de tour. Allô, ici Albatros 1-3. Écoutez-moi, Australien, j'arrive de New York. J'ai 20 000 km de vol dans les ailes et je suis capable de me poser dans un mouchoir de dame. Alors, autorisation ou pas, j'y vais. J'ai déjà avancé ma descente. Jake, affolé, se précipita vers la piste, persuadé qu'il allait assister à un désastre. Tosh, tous les mêmes, ces amerlots. Se croient toujours plus forts que les autres. De fait, l'atterrissage de Wilbur fut acrobatique. Comme au décollage de New York dans la tempête, Bernard et Bianca crurent une fois de plus leur dernière heure arrivée. Wilbur dut freiner des deux pattes et du croupion pour ne pas s'écraser contre un énorme séquoia. Jake était furieux. Mais quand il aperçut la charmante Bianca, remise de ses émotions et prête à débarquer, il retrouva une bonne humeur dictée par la galanterie. Bienvenue en Australie, madame. Mon nom est Jack et je suis à votre service. Oh, quel charmant accueil! Ce garçon est tout à fait... Enfin, c'est un vrai gentleman. Oui, eh bien, gentleman, aidez-moi à débarquer ces valises au lieu de... Laissez-moi faire, monsieur Bernard. Ça fait partie du service de la compagnie. Et, Oh, je me suis déplacé une vertèbre. Au secours, les amis! Je peux plus bouger. Je suis paralysé. Pauvre Wilbur, éprouvé par son terrible atterrissage, fourbu, rompu, il venait d'accomplir le dernier effort, fut-il infime, qui mettait fin à sa mobilité. Jack et son aide Sparky, assistés de Bernard et Bianca, le conduisirent vers l'hôpital de l'aérodrome, aménagé dans la carcasse rouillée d'un autobus abandonné. Vous voilà entre de bonnes mains, cher Wilbur. Nous partons maintenant à la recherche du jeune garçon prisonnier. À bientôt! Non, m'abandonnez pas. Non, j'ai horreur des hôpitaux. Je vais très bien, je me sens très bien, regardez. Je peux voler, courir, marcher. Non, je ne peux plus bouger. Entouré par une armée de souris infirmières, Wilbur se débattait à grands cris de douleur. Chaque geste lui arrachait un hurlement. Mais ce fut à l'instant où il entendit le chirurgien annoncer qu'il allait l'opérer qu'il prit une décision héroïque. M'opérer? Ça jamais! Me déplumer, me découper, me charcuter? Il faudra m'attraper d'abord! Réunissant toute son énergie, il se redressa et tenta de fuir par la fenêtre. Le docteur, ses aides et les infirmières se jetèrent sur lui pour le retenir par les pattes. Chacun tira de son côté. La traction exercée violemment fut salutaire. La vertèbre retrouva sa place et Wilbur son agilité. Ah! Ça y est! C'est fini! Je suis guéri! Youpi! Adieu, docteur! Envoyez votre facture à New York! Disant cela, Wilbur tout guilleré franchit la fenêtre et s'envola à tire-d'aile vers un horizon plus serein. Lorsque Jake apprit que Bernard et Bianca n'étaient pas mariés, il se montra encore plus galant à l'égard de cette délicieuse petite souris. Bernard était d'autant plus jaloux que Jake, habitué à la brousse australienne, prenait l'initiative des opérations. Votre carte, vous pouvez la replier. Ici, elle ne sert à rien. Mais alors, comment s'orienter pour accomplir notre mission ? Croyez-moi, mademoiselle, faut se fier à l'instinct. Et pour ça, il vous faut un bon guide. Comme moi, par exemple. Oh, monsieur Jack, vous voudriez bien nous aider? Si je veux, bien sûr que je veux. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, mademoiselle? Alors je vous le dis, si vous voulez retrouver votre gamin séquestré par l'ignoble MacLeish... Mais comment savez-vous cela? Tout c'est dans la brousse, compagnon. Tout, grâce au tam-tam de la forêt. Donc, si vous voulez retrouver votre gamin,
Il faudra passer par la piste du suicide, à travers le canyon du cauchemar et la crête de Satan. Comment ? La piste du suicide ? Mais rien n'est indiqué sur ma carte. Sûr, pas plus que la rivière aux sangsues ou le couloir de la Morlante. Mais moi, je connais tout ça par cœur. Alors prenez mon bras, mademoiselle. On y va. Et je vous le dis, ça ne sera pas une promenade de santé. La jolie Bianca était muette d'admiration devant l'audace et l'esprit d'entreprise de Jack. Bernard, chargé des bagages, fermait la marche en maugréant. Pendant ce temps, dans les couloirs obscurs de la mine désaffectée où MacLeish avait installé sa prison, l'interrogatoire de Cody se poursuivait. On va être raisonnable, hein, mon garçon. Dis-moi si je me trompe. La belle aigle marahutée est cachée sur la crête de Satan. C'est ça? Non. Oh, disons plutôt, dans le canyon du cauchemar. Tu crois pas, Johanna? Tu as raison. Ce serait plutôt dans les chutes de la rivière des crocodiles. Alors, tu réponds, sale moutard. Cody refusait toujours de fournir la moindre information. Il restait muet, prêt à endurer les pires supplices plutôt que de trahir la belle aigle royale. MacLeish écumait de rage. Dans les chemins difficiles de la brousse qu'il traversait, Bernard et Bianca avançaient péniblement. Jack était parti en avant pour dégager les pistes. Il réapparut à l'instant où un énorme boa, descendu d'un arbre géant, convoitait d'une langue fourchue et avide les deux petites souris américaines. Pas touche aux souris aujourd'hui, grand tortillon de malheur. Regarde-moi bien en face. Joignant le geste à la parole, il referma la gueule du gros serpent de son lasso qu'il lança avec dextérité. Te voilà bien muselé et inoffensif. Mais tu vas nous servir à quelque chose. Hé, les amis, grimpez sur le dos de ce gros saucisson. Il va se faire un plaisir de nous transporter à travers la jungle. Allez, allez-y. N'ayez pas peur, je l'ai rendu inoffensif. Et toi, surtout pas d'entourloupe. Oh, Jack, vous venez de nous sauver la vie. Et puis, vous êtes si courageux, si adroit, si inventif. Merci, mademoiselle. N'en jetez pas trop, je vais rougir. Dans la prison où Cody était enfermé avec des tas d'animaux rares, le désespoir était à son comble. Le jeune garçon ne voulait pas accepter sa défaite. Tous les animaux avaient beau lui dire que MacLeish allait les livrer à des trafiquants de peaux et de fourrures. Il ne les écoutait pas et continuait à chercher le moyen de fuir. Ne vous inquiétez pas, nous sortirons de cette prison. Il suffirait d'atteindre les clés pendues à ce mur. Si j'arrivais à m'emparer de ce long bâton, j'y parviendrais. Ah oui, oui, il faut l'aider. Voilà, on y est presque. Libre. Oh, on va être libre. C'est à ce moment que la terrible Johanna, attirée par le bruit, surgit à la porte de la prison. Tout était perdu. MacLeish apparut bientôt. Alors, mon garçon, on essaie de fuir? On craint du désordre? Ah, ça va pas durer. Je t'emmène avec moi et cette fois, je parviendrai bien à te faire parler. Que dirais-tu d'un petit séjour dans un nid de grosses fourmis rouges, hein? Oh, si tu savais comme elles sont gourmandes. Mais avant, je vais te donner encore un jour de réflexion. Ça va, Johanna? MacLeish enferma Cody dans la cage de fer qu'il gardait au fond de son hangar. Faites ce que vous voudrez. Je sais que vous tomberez un jour aux mains des Rangers. Je n'ai pas peur de vous, sale braconnier. Sans l'écouter davantage, MacLeish partit, accompagné de Johanna.
tout ça m'a donné faim, Joanna. Je vais me préparer une grosse omelette et boire une bonne rasade de whisky. Tandis qu'il préparait son repas, MacLeish surprit Joanna qui volait l'un des beaux œufs de canne prévus pour l'omelette. Oh ! Oh, tu exagères, sale goulu ! Je ne te prive de rien ! T'as eu des œufs d'autruche, des œufs de fourmis que tu prenais pour du caviar, des œufs de tortue. Je te donnerais même des œufs d'aigle, si j'en avais. Des œufs d'aigle. Voilà la solution. Je suis idiot de pas y avoir pensé. C'est comme ça que j'aurai le bel oiseau aux plumes d'or. Le garde-manger doit savoir où se cache le nid. Allons-y, Joanna. Y a pas une minute à perdre. Oh, il fallait un peu de jugeote, pas plus. Pendant ce temps, portés par le boa, nos trois amis avaient enfin atteint le repère du braconnier. Jack, le premier, franchit la grande porte restée ouverte. Faites gaffe, mes amis. Allez-y doucement. Le danger, c'est le grand lézard qui accompagne MacLeish partout. C'est très dur de lui échapper. Oh, mais regardez. C'est MacLeish. Oh, il est encore plus effrayant que je ne l'imaginais. Il pousse le petit garçon dehors. Il le libère. Silence. Écoutez. Tu as gagné, petit. Je n'ai plus besoin de toi. Ah bon, tant mieux. Ouais. T'as protégé la belle aigle royale a été descendue ce matin par un chasseur. Bang. D'un seul coup de fusil. En plein vol. C'est pas vrai. Vous mentez. C'est pas possible. Personne ne tire sur un aigle, sauf vous. Et d'abord, comment le savez-vous? Je l'ai entendu tout à l'heure, sur la radio locale. C'est bien malheureux. Un bel oiseau comme ça. Elle valait une fortune vivante. Et puis, les œufs qu'elle a dû laisser dans son nid, perdus. Plus de bébé aigle. Oh. Oh, quelle misère. Allez, au revoir, petit, et sans rancune. Je suis sûr que ce type ment. Je suis de ton avis, compagnon. Il prépare un coup tordu. Faut ouvrir l'œil. Tandis que Cody, désespéré, se dirigeait sans hésiter vers la falaise, nos trois amis furent tirés de leurs doutes par le grondement retentissant d'un gros moteur que l'on mettait en marche. Ils virent bientôt surgir du hangar l'énorme engin de MacLeish. C'était une sorte de camion équipé à la fois de grosses roues et de chenilles. Sur la plateforme était fixée une grue et un treuil. À l'arrière, bien amarré, une solide cage à gros barreaux de fer où MacLeish enfermait les proies qu'il ramenait de ses pièges. Dans la cabine, l'ignoble Joanna se pavanait à côté de MacLeish. MacLeish laissa s'éloigner le jeune Cody et bientôt se mit en route pour le suivre à distance. Jack, Bernard et Bianca en profitèrent pour sauter à l'arrière du camion. Pauvre Cody, il ne se doute de rien. Regardez, il descend le long de la falaise. Il faut le prévenir. J'y vais. Non, on y va tous. Ils quittèrent le camion et atteignirent bientôt le bord de la falaise. Le gouffre qui s'offrait à leurs yeux était impressionnant. Cody, agile, avait déjà disparu. Ils entreprirent à leur tour la descente périlleuse et vertigineuse. Accrochez-vous à moi, mademoiselle Bianca. Non, 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 à moi. Je suis plus près. Merci, merci. Je n'ai besoin de personne. J'y arrive bien toute seule. Ils parvinrent bientôt à la cavité ménagée dans la roche. Cody était déjà là, en admiration devant les gros œufs posés sur le nid de branchage. Cody ! Ben, tu m'appelles ? Où êtes-vous ? Nous sommes les souris de SOS Secours, envoyées de New York pour te délivrer. Là ! Tu nous vois ? Attention, Cody, tu es tombé dans un piège. MacLeish est là-haut sur la falaise. Il te surveille. À cet instant, ils aperçurent une ombre immense qui planait au-dessus du nid. C'est Marahuté. Elle est vivante. Je le savais. Faut la prévenir, petit. Elle va se faire prendre par ce malotru. T'as tout compris? Éloigne-la.
Marahuté, non, n'approche pas. Va-t'en, loin, loin, va-t'en. Hélas, il était trop tard. Macliche, en braconnier adroit, avait déjà projeté depuis son camion une toile immense en forme de parachute qui s'abattit sur le bel oiseau en plein vol. Un système savant de cordes tenues par des contrepoids enferma aussitôt la proie. Macliche mit le treuil en route et tandis qu'il remontait sa prise, le jeune Cody s'élança dans le vide et s'accrocha désespérément à l'une des cordes. Faut faire quelque chose! Jack projeta son lasso qui s'enroula autour d'un contrepoids. Courage les amis, cramponnez-vous! On y va! Jack et Bianca parvinrent à saisir le bout de la corde. Bernard le manqua et fut ainsi abandonné au bord de la cavité. En haut de la falaise, Macliche hurlait de joie. Hé, Anna ! Hé ! Je l'ai ! Ah, laisse-moi l'enfermer dans la cage. Tiens, on a même en prime le garnement. Allez, boucle-moi tout ça. Oh, le bel oiseau. On dirait qu'il est en or. On est riche, Johanna! On est riche! Misérable! Assassin! Frépouille! Un jour, vous paierez tout ça! Ne crains rien, Marahuté! Je te délivrerai! Mais tais-toi, petit! Du calme! Ça sert à rien de secouer tes barreaux, la cage est solide! Et toi, Johanna, qu'est-ce que t'as frétillé comme ça? Ah, je comprends! Tu voudrais ta récompense! D'accord! D'accord! Je t'offre les gros œufs d'aigle comme promis. Vas-y, je t'attends. Régale-toi bien. Johanna, avide, les yeux pleins de convoitise, eut au fait de ramper le long de la pente jusqu'à la cavité où reposait le nid. Quand elle aperçut les gros œufs à sa portée, elle se trémoussa un instant, puis d'un coup se jeta, la gueule ouverte, sur le premier d'entre eux. Il résista si bien que Johanna y laissa trois crocs. Furieuse, elle attaqua à nouveau, sans d'autre résultat que de risquer de se briser la mâchoire. Elle n'y comprenait rien. Alors, elle s'en prit aux autres œufs. Elle ouvrait une gueule immense qui se refermait en claquant sur la coquille, mais sans l'entamer. Johanna bavait de rage. Elle bousculait de ses pattes crochues les œufs dans le nid, les frappait, les griffait, les mordait encore, mais rien n'y faisait. Les œufs restaient intacts. Après un long moment de bataille, elle entendit la voix coléreuse et impatiente de Macliche. Il vociférait depuis la falaise. Alors, grosse gourmande, je vais pas attendre ici toute la nuit. Remonte maintenant, ça suffit. Alors, furibonde et dépitée, Johanna fit rouler les œufs hors du nid jusqu'au bord de la cavité et d'un coup de patte magistrale les précipita dans le vide. Ainsi, elle se sentait vengée. Puis, elle remonta le ventre vide jusqu'au camion qui l'attendait. Oh là 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 là, t'as dû te régaler. T'as la gueule pleine de bave. Sitôt le monstre parti, Bernard émergea de dessous les branchages du nid où il s'était dissimulé. Oh, ouf, un peu d'air. J'ai bien cru que cet infâme lézard allait me découvrir. Ma ruse a bien marché. Ces gros cailloux polis que j'ai trouvés ici ressemblaient tellement à des œufs qu'ils s'y laissaient prendre. J'ai bien fait de me méfier et de cacher les vrais œufs. Bernard, à grand-peine, faisait rouler les œufs en place au fond du nid quand il entendit soudain le bruit mat de deux grosses pattes palmées qui se posaient lourdement à l'entrée de la cavité. C'était Wilbur qui, depuis sa fuite de l'hôpital, ne cessait de parcourir la région à la recherche de ses deux petits passagers. Wilbur, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes guéri? Grâce au ciel, j'ai échappé à ce docteur qui voulait me déplumer. Et depuis, je vous cherche partout. Mais vous, à propos, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oh, c'est une longue histoire. Celui qui a enlevé le petit garçon détient prisonniers Jack et Bianca et l'aigle aux ailes d'or. Quoi? Mademoiselle Bianca a été enlevée? Mais c'est affreux! Et vous, vous êtes là à jouer avec des œufs! Mais justement, vous tombez bien! Ces œufs ont besoin de vous! Trois petits aigles royaux dorment au fond de ces coquilles. Je vous expliquerai plus tard.
Eh? Quoi? Oh non, oh non, oh non, 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 non. Non, je devine ce que vous voulez que je fasse. Moi, couver des œufs? Vous m'avez pas regardé? Je suis un héros de l'aviation. Jamais! Vous m'entendez? Jamais! Mais Bernard sut trouver les arguments sentimentaux capables de toucher le cœur tendre de Wilbur. Quand Bernard quitta la grotte pour aller au secours de ses amis, il laissa le brave Wilbur installé sur le nid comme une grosse poule de basse-cour. Dans le repère de MacLeish, Bianca s'employait à soutenir le moral de ses compagnons d'infortune. « Je vous le dis, tant que Bernard est libre, rien n'est perdu. » « Ah oui, et pourquoi ?»« Je connais Bernard, il n'abandonne jamais. » bravo, mademoiselle. Vous savez bien vous y prendre pour nous raconter des salades. Ce ne sont pas des salades, comme vous dites. Bernard est un champion et il va nous le prouver bientôt. Faudra voir à voir, mademoiselle. Je suis prêt à parier mes baskets qu'il pourra rien faire. Bernard, depuis qu'il avait quitté le bord de la falaise, avançait aussi vite qu'il le pouvait en direction du repère de MacLeish. Il savait que le temps était compté et que ses amis couraient un grand danger. Mais hélas, il avait beau tricoter de toutes ses petites pattes sans reprendre haleine, il sentait bien la route trop longue pour arriver à temps. C'est alors qu'il perçut dans la broussaille un ronflement sonore. Il écarta quelques branchages et aperçut un énorme cochon sauvage qui dormait le groin enfoui dans les feuilles. Il vit aussitôt le parti qu'il pouvait en tirer. Et il se rappela ce que Jack lui avait dit quand il avait capturé le boa. Ces grosses bêtes-là, faut pas en avoir peur. Suffit de se planter droit devant elles, de les regarder droit dans les yeux et de leur donner un ordre. Elles obéissent comme des petits toutous. Bernard s'installa solidement face au groin du cochon et lui chatouilla les naseaux. Excusez-moi de vous réveiller, mais je suis très pressé. Question de vie ou de mort. Faut m'aider à combattre le dénommé MacLeish, tueur d'animaux. Vous allez me conduire sans discuter, bien gentiment, hein? Et surtout, pas d'entourloupe. Le gros cochon sauvage, subjugué, se redressa d'un bond et avec Bernard agrippé à son poil soyeux, fonça droit devant lui vers le repère du braconnier. Il y arriva au moment où le lourd camion et son chargement se mettaient en marche. Quand il eut atteint la rivière des crocodiles, MacLeish ligota le jeune Cody et le suspendit au crochet de la grue dont la flèche surplombait le torrent. Cody se débattait de toutes ses forces. « Relâchez-moi, assassin! Les Rangers vont arriver! Vous serez pendu. Pour l'instant, c'est toi qui es pendu. Et tu vas servir d'appât à ces beaux crocodiles qui t'attendent en bas, la gueule ouverte. J'en ai assez de te supporter, sale morveux. Allez, à la pêche aux crocodiles! MacLeish mit le treuil en marche. Le filin de la grue se déroula dans un bruit sinistre. Mais oui, mes jolis petits crocodiles gloutons. Attendez encore un peu. Vous allez avoir de la chair fraîche. C'est bon à croquer, un petit garçon. Oh non, je ne veux pas voir ça. C'est affreux. Bernard, où es-tu? Partout, sauf ici, mademoiselle. Et d'abord, qu'est-ce qu'il pourrait faire, votre chevalier? C'est pas Zorro. Cody se balançait maintenant à moins d'un mètre de l'eau où s'agitaient les énormes bestioles affamées. Tout semblait perdu. Quand soudain, brutalement, le moteur de la grue s'arrêta net de tourner. MacLeish manœuvra fébrilement les leviers. Plus rien ne répondait. Le filin était coincé et Cody suspendu encore assez haut au-dessus de l'eau. MacLeish jurait comme un charretier. Ah, sacrebleu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça pue le rat pourri. Il y a de la bagouille là-dessous. Il se passait simplement que le petit Bernard n'avait pas perdu son temps. Il s'était glissé dans le boîtier de commande du moteur et de toutes ses dents, mettant les bouchées doubles, avait rongé tous les fils, provoquant ainsi un court-circuit et l'arrêt de la machine. Profitant de l'absence de l'affreuse Johanna qui avait quitté la cabine pour voir ce qui arrivait, il décrocha la clé de la cage pendue à la paroi du camion
et se précipita vers ses compagnons. Regardez, c'est Bernard. Oh, je le savais, j'en étais sûre. Jake, Bianca, la clé, attrapez! Adroitement, Bianca saisit la clé au vol et en un instant ouvrit la cage. Chacun s'enfuit de son côté, tandis que Mara Huté, majestueuse, prenait son vol au-dessus du torrent. J'ai pas dit mon dernier mot, sale gamin! Je vais couper cette corde à coups de fusil et tu seras quand même dévoré! Le filin fut entamé par la balle. McLeish s'apprêtait à en tirer une deuxième quand il vit arriver comme une furie la grosse Joanna qui poursuivait Bernard, zigzagant dans tous les sens. McLeish ne put l'éviter. Le choc fut colossal. McLeish, son fusil et le gros lézard firent un plongeon retentissant et disparurent aussitôt dans le torrent. Au secours, mes amis! La corde va casser! Aidez-moi! En un clin d'œil, Bernard vit le terrible danger que courait le petit garçon. Il cherchait une solution pour lui porter secours quand il s'aperçut qu'il était trop tard. La corde venait de rompre et Cody se débattait déjà dans le courant, entraîné vers les chutes vertigineuses du torrent. Courage, Cody! J'arrive! Bernard plongea courageusement du haut de la berge escarpée. Mais que pouvait faire une petite souris contre les éléments déchaînés qui les entraînaient tous deux vers la mort? Tiens bon, Cody! Faut aller vers le bord et saisir une branche! Hélas! Ils avaient beau lutter de toute leur force, le courant violent les roulait vers l'énorme cascade. Comme deux fétus de paille, ils furent pris dans la chute et à l'instant où tout leur parut perdu, ils se sentirent soulevés dans les airs au-dessus du gouffre. C'était la belle aigle royale, Mara Huté, qui venait de les saisir dans ses serres puissantes pour les porter sains et saufs sur la berge du torrent. Quand tout le monde fut réuni, quand chacun eut repris un peu ses esprits et son souffle, alors Bernard sortit de sa poche mouillée la jolie petite bague qu'il conservait depuis New York. Il s'inclina devant Bianca et lui déclara, en rougissant. Mademoiselle Bianca, avant que ne survienne un autre événement, je voulais vous demander, enfin, voulez-vous m'épouser? Vous épouser? Mais bien sûr, Bernard, de toutes mes forces. J'attendais votre demande depuis longtemps. Bernard allait savourer sa victoire quand soudain Wilbur surgit comme un ouragan. Venez vite, mes amis, venez vite! J'ai mis au monde trois aiglons mignons et trognons et tout ronds et ronds et ronds, petits patapons. Venez, suivez-moi, leur maman est déjà près d'eux. Alors Jack, qui assistait à tout cela impassible, repoussa son large chapeau en arrière et se grattant le crâne, s'exclama dans un soupir. Y a pas à dire. Ces amerlots, c'est quand même des rigolos.